Bonjour à tous, ici c'est le port de Imbituba qui est le dernier port avant les 300 000 sans-abri à faire pour aller à Rio Grande do Sul, qui est très proche de la frontière avec l'Uruguay, donc la fin du Brésil. Et j'attends ici la fenêtre météo adéquate après les quelques fronts froids qui passent venus d'Argentine. Et ensuite il y a un créneau avec du bon vent de nord qui devrait faire l'affaire juste le temps nécessaire, c'est-à-dire 48 heures à peine plus. Et voilà à quoi j'ai droit, le port commercial avec tous les le porte-container qui est déchargé et chargé avec des grues gigantesques. On y voit comme en plein jour. Alors que voilà, au large, au-delà de la digue, on voit bien que quand même c'est la nuit. Mais pas vraiment de ce côté. Ça c'est la tour de contrôle du tanker. La passerelle.